À la fin de l'année 2022, la Miss Météo de BFM TV Virgilia S a annoncé être enceinte de son premier enfant. Un grand bonheur pour la jolie brune qui a malheureusement été gâchée un peu plus tard, lorsqu'elle a appris qu'elle souffrait d'un cancer du sein. Sur les réseaux sociaux, Virgilia S a décidé de parler sans tabou de sa situation, que ce soit pour donner de ses nouvelles ou pour expliquer s'être volontairement rasé le crâne pour éviter de perdre ses cheveux suite à la chimiothérapie. Et ce mercredi 8 mars, elle s'est saisie de son compte Twitter pour raconter en détail le jour où elle a appris qu'elle était malade. Un jour qu'elle n'oubliera jamais. Si est-il sans un mot, hormis un simple bonjour, que la radiologue entra dans la salle. Un silence qui en disait long et qui me fit comprendre instantanément que quelque chose n'allait pas, a-t-elle rapporté à travers un long texte. Pas une mouche ne volait lorsque je me déshabillais, scène était presque gênante. L'inspection terminée, je me rhabillais, ne disant rien. Elle ne parla pas non plus, et plus le temps passait et moins j'osais demander, lit-on également. J'ai pleuré et que je lui ai fait répéter plusieurs fois ce qu'elle me disait pourtant, Virgilia S se risque à poser des mots sur ce qu'elle redoutait. Si est-il un cancer, si est-il ça? A-t-elle questionné son médecin, laquelle lui a répondu à l'affirmatif. Après ça, impossible de me rappeler ce qu'il s'est passé. Je sais que j'ai pleuré et que je lui ai fait répéter plusieurs fois ce qu'elle me disait, mais mon cerveau s'est mis en off et je n'entendais plus les mots qui sortaient de sa bouche, seulement un brouhaha. Le choc et la sidération étaient tellement violents que je suis juste incapable de me souvenir de ce qui m'a été dit à ce moment-là, a reconnu la Miss.